Sur le site de la station Enzo pour cette belle journée préparée par nos amis de Caractère et compagnie, à l'occasion de se remémorer un petit peu sur ces véhicules qui ont bercé notre enfance dans les années 50, 60, 70. C'est du sérieux. Pour mettre les teutons dehors. Ah bah. À coup de balai, je vous dis pas. J'en pense à deux plis. Hein. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir tout au long de la journée, nos amis de Caractère et compagnie. Alors bon, je vais connaître un peu l'histoire de la station. Nous avons commencé à la restaurer en 2021. La station date de 1956 et elle a pris ses effets en 1957. Et malheureusement, elle a fermé en 1980, date à laquelle on est tombé dans l'oubli. Quand on passait sur la nationale 7 ici, on ne la voyait plus, elle était complètement envahie par la végétation. Et
voyez juste la cime là-haut de la flèche qui apparaissait encore un petit peu. Donc vous pouvez c'est pour vous indiquer un peu le travail exorbitant exercé par les membres de l'association Carré-Pierre et compagnie. Donc ça fait maintenant pratiquement 3 ans pour la remettre dans l'état où elle est actuellement. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? Un U23. Voilà, 1947. Citroën. Citroën, 1947. Ouais. Dans son jus, dans apparemment. Voilà, tout à fait, dans son jus. Je l'ai remis en route il y a 2 ans. Tout à fait fini, puisqu'il nous reste encore. On s'en sert pour quelques manifestations comme ça. Pour... Alors, quelle est l'histoire de ce véhicule? C'était. D'abord, c'était un véhicule de l'armée. Après, il a été racheté par un propriétaire qui faisait du charbon et du carburant. À Blanzy, en 71, en Saône-et-Loire. Alors, le moteur a été grippé, j'ai changé le moteur, refait les freins, puis voilà, sous les arbres. C'est reparti. Et vous avez conservé son jus d'origine, voilà, en fait. Voilà, tout à fait. On préfère voilà, garder des véhicules comme ça, utilitaires. Avec leur patine, leur histoire. Voilà, c'est ça. Cocorico. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui? Je fais partie de l'association Car et Compagnie, c'est ça. Voilà, je suis trésorier de l'association donc aujourd'hui on expose un petit peu de nos véhicules. J'ai un autre U23, je suis passionné de U23, donc voilà. Ces messieurs dames font-ils partie d'un club ou d'une association? Vous avez tout étiqueté le faisceau. Disons qu'il y a eu quelques fils que j'ai changés. Le faisceau lumière devant là, parce que c'était complètement dégradé. Parce que vous voyez, c'est encore des fils en tissu. Hein. Ah oui, c'est oui, pas oui, des oui, fils. Oui. Donc vous avez tout conservé en fait. Bah le plus possible, oui. Le plus possible. Quand même mis un filtre à essence aussi, hein, parce que les réservoirs sont souvent copains. Et la plaque constructeur. Ah oui. Tu fais la bonne pour moi? Une nouvelle bobine. Oui. La bobine, j'ai changé que cette année. Hein. Commencé à mal démarrer, donc j'ai changé la bobine et les rupteurs. Alors, les bobines, si vous avez vu, c'était une compagnie pétrolière qui existait au début des années 20 et qui a perduré jusqu'au début des années 60. À gauche, là. Oui. Et bien, tout de suite, la première petite chemin à droite, là, tu donc, la station a été sous des PJ Roseau jusqu'en 62. Voilà, donc, ça fait, et donc, après, est passé sous des PJ Total. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme moto? Manière de Beau, 125 ETD. De quelle année? 1952. D'accord, c'est vous qui l'avez restauré? Ouais. De A à Z? Entièrement. Ouais, 2-3 bricoles que j'ai laissées là, le guidon, changer les jantes. Enfin, voilà, moitié-moitié quoi. Voilà, alors, les combinaux de Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes Riri, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis remouleur. Ah. On aiguise les couteaux, on aiguise les ciseaux, on aiguise les haches, les serpettes. Tout ce qui est outillage, jardinage. Et donc, sans électricité? Tout à la force des jambes. Et alors, vous transportez votre matériel avec une bicyclette, c'est ça? Voilà, oui. Vous voyez, j'ai encore... Qui est aussi d'époque. Ah oui, 1962, le vélo. Qui vient d'être retrouvé dans un grenier. Ah oui, bien. Et ce vélo, il a appartenu à mon épouse. Elle l'a eu pour son certificat d'études en 1964. Toute une histoire, alors. Ah, une belle histoire, oui. Thank you.
Qu'est-ce que c'est comme auto ? C'est un Triumph Herald de vitesse. De quelle année ? 67. La particularité, c'est un moteur V6 en ligne. Un moteur 6 en ligne. 6 cylindres en ligne. Ah oui. Dans une si petite voiture. Ah ouais, il y a un gros moteur dessous, là. Ah ouais. 2 litres. Ouais. Ah ouais. Et c'est vous qui l'avez restauré ? Non, on n'est pas du tout restauré, je l'ai acheté comme ça, je la restaure, vous voyez bien, regardez. Ah oui. La peinture, elle part. Oh, c'est des détails, ah non, ça. Je vais la restaurer en début d'année. Là. D'accord. Et vous venez d'où, comme ça ? De Pouilly-sous-Charlieu, dans deux rois. En voisin. Ouais, je suis voisin. Là. Allez, bonne journée. Allez, bonne route. Merci. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez comme auto ? Là, j'ai une Triumph Spitfire M43 de 1969. Et c'est vous qui l'avez restauré ? En partie. En partie. En partie. Eh ben, bravo. D'occasion et puis retapé. Voilà. Bravo. De la patience. Eh oui, c'est ça. Voilà. Il en faut. On a tout le plaisir. C'est ça. Voilà. Merci. Bonne balade. Merci bien. Bonjour monsieur. Alors vous venez en 2 et 4 roues, c'est ça ? Alors c'est quoi votre appel ? Ça chauffe, Michael. Hein. Ah bah ouais, mais bon, ça me rappelle. Tu vas au bout de la station. Hein. C'est quoi votre attelage alors ? Donc une 2 chevaux, 4, 6 ? 2 chevaux 6 avec une mobilette AV88. De quelle année ? 67. Bravo, en tout cas, c'est très bien assorti. Merci. Bonne balade. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme véhicule ? Chevrolet Apache, 1959. Ah, dans son jus, apparemment. Dans son jus. Voire amélioré, un jus amélioré. Un jus amélioré. Eh bien, bonne balade, merci. Merci. Regardez en hauteur maintenant. Bravo pour le choix à apporter cette belle